Partons à la découverte de la fontaine Bartholdi, installée dans la ville de Lyon depuis 1892. Cet impressionnant groupe sculpté avait été présenté à l'exposition universelle de Paris en 1889. Elle est la création du sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi. Cette fontaine est extraordinaire. Elle représente officiellement le char triomphal de la Garonne. Mais nous allons constater que le propos caché est tout autre. En route pour un décodage en règle, avec précision et dans le détail. Les sculptures représentent un char conduit par une femme et tiré par quatre chevaux. Deux enfants accompagnent la dame. Mais pourquoi ont-ils des visages tristes? Il aurait été plus logique de figurer des bambins avec des visages joyeux, mais non. Pourquoi les chevaux ont-ils un air lugubre et terrorisé? C'est la fin du monde ou quoi? Pourquoi les rênes du char sont-elles végétales? Là encore, c'est plutôt bizarre. Pourquoi y a-t-il des pointes sur les jantes des roues? Finalement, quelle était l'intention profonde de Bartholdi? Voulait-il nous communiquer un message? J'ai des raisons de penser que cette fontaine est raccordée au code architectural que je traque avec succès depuis des années. Les grands monuments de France portent en effet un chiffrage présent dans leurs différentes facettes. Une des clés d'accès à ce codage est la langue française. On peut voir à ce sujet les vidéos déjà publiées sur ma chaîne, et celles qui le seront bientôt. Si les chevaux sont au niveau du sol, le char en lui-même est perché sur de gros rochers. Il s'agit d'un quadrige céleste qui descend sur la terre. Nous découvrons deux jeux de mots qui pointent en ce sens. En moyen français, le mot « penne » nomme le sommet. Les roues comportent d'ailleurs d'étranges pointes, comme des petits sommets, des pennes. Ce mot a aussi un rapport avec l'idée de vol aérien, puisqu'une penne était aussi une plume, une aile, c'est-à-dire les organes du vol des oiseaux. Un autre mot pour sommet était pinacle, et le mot pinasse désignait un vaisseau léger et rapide. Veut-on nous dire que ce char est un vaisseau volant, comme un aéronef? Il semble que ces calembours pointent vers l'idée des chars des dieux, tels qu'apparaissant par exemple sur les plafonds des salons de Versailles. Le quadrige d'une déesse descend du ciel vers la terre, pour une raison qui reste à déterminer. L'arrière du char est décoré avec de gigantesques coquillages, coquilles Saint-Jacques et sortes d'huîtres. Pourquoi? Sans doute pour suggérer encore l'idée d'un bateau, puisque la coque était aussi bien la coquille, le coquillage, que le bateau, justement. Les moyeux des roues sont décorés en escargot, appelant encore le mot coque. Un grand tissu est déroulé derrière Amphitrite. Il suggère le mot volant, dans le sens de manteau flottant. Plus précisément, on ne détecte aucune attache entre la femme et le tissu. On est alors en droit de qualifier l'objet de « pièce de tissu non fixée », encore appelée « volant ». Pourquoi Bartholdi tenait-il à coder discrètement un bateau volant? Parce qu'il appartenait à une société secrète, rattachée au pouvoir politique, qui en savait long sur les ovnis. Les rênes du char ne sont pas des lanières de cuir, mais de longues tiges végétales, comme issues d'une plante grimpante inconnue sur la Terre. Au Moyen-Âge, on nomme « liane » certaines plantes grimpantes. Le mot « liane » est une anagramme de « alien », mot qui signifiait « étranger ». La présence de plantes grimpantes a souvent été utilisée dans la décoration des monuments pour suggérer la nature étrangère de certains personnages ou objets représentés. La mythique Atlantide est une alien, une terre étrangère, et un extraterrestre est un alien. Un des enfants maintient de la main une sorte de tapis. Celui-ci est le support des personnages. Ce détail se réfère au mythe des tapis volants, des contes perses, arabes et russes, dans lesquels ces objets sont présentés comme des véhicules aériens. Le roi Salomon en aurait possédé un.
L'extrémité de cette reine, ou bride, ressemble fort à une algue marine, le fucus vésiculeux. De fait, nous trouvons des indices qui laissent entendre que le char de La Fontaine est en relation avec Poséidon Neptune, le dieu des eaux et des océans. Tout simplement, l'eau ruisselle sur les sculptures. Elle est réceptionnée dans deux bassins. Les chevaux présentent une anatomie étrange au niveau de leurs pattes. Les sabots sont munis de griffes, détail inexistant dans la nature terrestre. Ils sont palmés et sont donc les chevaux mythologiques de la mer, les créations du dieu Neptune. La conductrice du char ne peut être que Amphitrite, la compagne de Neptune, ce qui est confirmé par les officiels. À partir de là, les griffes s'expliquent par la nature belliqueuse du dieu des mers, dieu des catastrophes maritimes et des océans en furie. J'ai découvert que Neptune est représenté constamment et discrètement sous l'éclairage de son pouvoir destructeur. Il était le dieu des Atlantes, dont l'île a fini au fond de l'océan. Il peut être considéré comme celui qui a provoqué la catastrophe finale. À Versailles, les frères Adam l'ont sculpté avec un trident menaçant dans les mains, comme le confirme le visage monstrueux qui surplombe. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image et observez bien la position des mains. C'est celle de quelqu'un qui a armé un coup et va frapper avec le manche de son trident. Le nom grec Poséidon signifie « causeur de tremblements de terre ». Cette statue de Sigisbert Adam montre un Neptune destructeur qui a renversé son fils Triton. Ce Neptune de Quasevox s'apprête à tuer un cheval, dont il est pourtant le créateur. C'est l'image du dieu de l'Atlantide qui se retourne contre sa propre création. Le char de la compagne du dieu des eaux descend donc du ciel pour châtier ces humains impurs à la vie décadente et immorale. Les visages des chevaux portent la marque de la terreur que vont bientôt ressentir les habitants de l'Atlantide en voyant les tsunamis arriver. Une des fonctions du grand tissu déployé à l'arrière est de suggérer le mot « drap », dont un des sens était « linceul ». C'est un clin d'œil aux Atlantes architecturaux de l'âge classique, qui portent parfois un grand tissu sur la tête. Le mot « Atlante » désigne aussi les habitants de l'Atlantide, ce qui n'est pas le fruit du hasard. Ces derniers sont morts, donc, dans des linceuls. Le char d'Amphitrite annonce le cataclysme aquatique qui s'est abattu sur la Terre au début de l'ère du lion. Le mur de bordure d'un des bassins présente d'ailleurs des têtes de lion, en référence à cet événement. On peut voir des formes en parchemin ou manuscrits déroulés, symbolisant la connaissance qui a été transmise de l'humanité précédente à la nôtre. Le cartouche, anormalement vierge, sans rien d'écrit dessus, exprime l'idée que le message n'est pas explicite, il est codé dans les sculptures. Le bouquet appelle l'expression ancienne « faire bouquet », c'est-à-dire faire subir une humiliation, une contrainte. La contrainte est venue des coquillages, c'est-à-dire de la mer, à l'époque de l'ère du lion. Les murets, intégrés à la fontaine, comportent deux lampadaires, destinés bien sûr à éclairer la fontaine la nuit. Ils comportent une décoration très léonine. Des têtes de lion sont posées sur des documents roulés. En fait, l'ensemble ornemental est totalement codé. L'architecture de l'Ancien Régime offre d'innombrables exemples d'associations de têtes de lion et de feuilles de papier. La fontaine de Bartholdi est une pièce de puzzle parmi beaucoup d'autres.
La belle amphitrite est accompagnée de deux enfants qui portent des vases, desquels s'écoule de l'eau. Leur visage porte une émotion négative, de l'inquiétude ou de la tristesse. Dans la perspective d'une œuvre importante et codée, tous les détails sont mis au point pour être déchiffrables. Un enfant qui verse l'eau d'un vase est le symbole du signe astrologique du Verseau, comme en témoigne une statue du château de Versailles. Il faut bien considérer que l'évocation du Verseau peut se comprendre en tant que ère du Verseau, ce qui nous amène à la théorie de la grande année de Platon. La Terre effectue un mouvement de toupie sur son axe de rotation, d'une durée d'environ 26 000 ans. Cette durée peut être divisée en 12, chaque temps correspondant à un signe du zodiaque. Actuellement, l'ère des Poissons se termine, et nous nous apprêtons à entrer dans l'ère du Verseau. Beaucoup d'ésotéristes pensent que notre époque est celle du début de la fin des temps, ou période de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la révélation. Il est prévu que des catastrophes diverses, dont écologiques, frappent l'humanité. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques tirent la sonnette d'alarme quant à l'avenir proche de l'humanité. Chaque enfant de la fontaine peut se comprendre comme un symbole de l'ère du Verseau. Les mines tristes sont à mettre en relation avec les calamités annoncées. L'eau qui s'écoule des vases est la vie abondante qui doit fructifier pendant l'ère du Verseau, cet âge d'or attendu. Il n'y a pas de vie organique sans eau. Paradoxalement, l'élément aquatique est aussi celui d'un nouveau déluge. C'est l'eau destructrice des inondations et des tsunamis. Un des attraits touristiques de la fontaine, c'est que de la vapeur d'eau sort par les naseaux des chevaux. C'est une façon de dire qu'il fait froid et que l'air expiré par les animaux se condense. De fait, le Verseau est un signe d'hiver. Ici, une inscription n'est pas tellement apparente à l'œil nu, ce qui nécessite l'utilisation d'un zoom. Bureau alloué ? Comme c'est étrange. Ah, oui. Non, cela n'a aucun rapport avec notre sujet. Frédéric Bartholdi a signé son œuvre sur un vase posé au pied d'Amphitrite. Il serait étonnant que cet initié n'ait pas remarqué une petite coïncidence mathématique amusante. L'expression R du Verseau totalise en guématrie, c'est-à-dire en faisant la somme des lettres 144. Le nom Bartholdi totalise 89. Ces deux nombres appartiennent à la fameuse série de Fibonacci. Leur division fait donc 1,618, ce qui est le nombre d'or. La fontaine de Lyon a une autre fonction que celle d'être un beau monument dans le centre-ville. Elle est une œuvre initiatique. Rattachée à bien d'autres éléments dispersés sur le sol de France, elle nous parle de vaisseaux extraordinaires dans lesquels voyagent les dieux, qui reviendront bientôt sur la Terre. La fontaine évoque aussi le cataclysme planétaire qui a ravagé les civilisations il y a 12 000 ans. Elle nous alerte enfin au sujet d'un autre cataclysme à venir, bientôt, si l'on en croit les prophéties et les signes annonciateurs. Vous pouvez voir à ce sujet mes vidéos « Le cataclysme en cours » et « Apocalypse ». Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo gratuite. N'hésitez pas à déposer un commentaire. Merci pour votre attention et à bientôt.